Comme beaucoup dans cette salle le savent trop bien, la crise du logement n'est pas un concept théorique dont on discute en classe. C'est une réalité vécue par des Canadiens et des Canadiennes de tous les horizons et qui touche tout le monde, individuellement, mais aussi collectivement, en tant que personne vivant au Canada. Certaines solutions pourraient relever de d'autres ordres du gouvernement, mais je pense que nous avons un rôle à jouer en tant que gouvernement fédéral. Nous ne pouvons pas espérer relever ce défi en utilisant les mêmes tactiques et les mêmes technologies que nous utilisons depuis des décennies. Nous devons tirer parti de cette volonté et de ce dynamisme retrouvé et exploiter les ressources comme jamais auparavant. Les maisons usinées, le bois massif, la construction par panneaux et les maisons modulaires, nous avons besoin de tout cela et en même temps, nous devons former et développer la main-d'œuvre pour accomplir le travail. Mais à mesure que nous construisons plus de logements pour aider à mettre fin à la crise du logement, nous ne pouvons pas oublier que les personnes les plus vulnérables sont touchées de façon disproportionnée parce que la crise du logement n'a pas la même incidence sur tout le monde. Afin de répondre aux besoins des plus vulnérables, le gouvernement fédéral doit continuer d'investir directement dans la construction de logements abordables partout au pays. Nous allons résoudre la crise nationale du logement au Canada et nous allons le faire ensemble. Mais pour y arriver, nous devons construire plus de logements, et ce, par millions. Merci beaucoup. J'ai hâte d'en discuter avec vous.